Bonjour, moi c'est Sami Farage. Je suis un 2001, je suis né le 4 octobre 2001. J'ai intégré le centre de formation de Sochaux en 2018 en provenance de Lille, du LOSC, où j'ai joué à peu près 10 ans et j'ai signé mon premier contrat professionnel il y a 2 mois cet été. Le vécu que j'ai avec le FC Sochaux, j'ai fait ma première apparition en Ligue 2 la saison passée contre Rodez. Ensuite, j'ai fait pas mal d'entraînements, j'ai intégré le groupe il y a 2 mois de ça. Et j'ai fait les matchs de préparation. Mon intégration, elle se passe super bien. Tout le monde est bienveillant envers nous, les jeunes. Sinon, ce qui change, c'est l'intensité, les courses. Il y a beaucoup plus de rigueur à avoir, les entraînements. Il y a vraiment un fossé entre le monde des jeunes et le monde des professionnels. Mais sinon, franchement, tout se passe très bien et je suis heureux. Le fait de signer pro, c'est pour moi une récompense. C'est un aboutissement de ce qu'on a fait avec les jeunes, avec les 19, avec la réserve. Non. Pour moi, on n'est pas encore vraiment professionnel. Le jour où on sera professionnel, c'est le jour où on aura enchaîné 30, 40, 50 matchs titulaires. Là, ce sera vraiment, on sera vraiment considéré comme professionnel. Mes objectifs cette saison sont d'intégrer le groupe professionnel en match, de pouvoir fouler la pelouse du Stade Bonal et de faire crier la foule. Mes points forts techniquement je pense que c'est un réel atout pour moi, et mes points faibles on va dire le jeu de tête. Caractère, Samy il est simple. Caractère, ça je peux pas dire, c'est les gens autour de moi qui peuvent donner une image de Sami Farage. Au sein du groupe, on est les petits jeunes, on essaie de s'intégrer, on est intégré, et après il faut travailler pour avoir notre place et gagner du temps de jeu et enchaîner les matchs.